Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des jumelles. Pas des sœurs Olsen, malheureusement, mais des jumelles. Allez, on regarde. Alors aujourd'hui, on va reparler du sac d'évacuation d'Ibob et on va s'attarder sur les jumelles. Alors les jumelles, c'est quelque chose d'assez indispensable dans votre sac d'évacuation, puisqu'il va vous permettre d'anticiper certains problèmes. Notamment si vous êtes dans une zone que vous ne connaissez pas, que malheureusement dans votre itinéraire d'évacuation, vous avez dû changer totalement de chemin par rapport à différents problèmes. Hein, ça a été à côté de l'endroit où vous deviez passer, vous devez partir sur un autre itinéraire et vous allez dans une zone que vous ne connaissez pas. Ça peut être une zone boisée, très dense, ça peut être une zone où il y a quelques habitations. Donc, pour prévoir et anticiper une malheureuse rencontre, d'avoir une paire de jumelles, ça peut être très important. C'est très important. Donc, une paire de jumelles, alors pas besoin d'avoir une paire de jumelles pour regarder les étoiles, hein, ou pour regarder les différentes planètes. Simplement une paire de jumelles qui soit assez fiable quand même, hein, où on peut observer de loin quand même. Les jumelles ne sont pas faites pour la même chose. Si vous prenez une paire de jumelles pour l'astronomie, c'est des jumelles très puissantes, mais après on n'a pas besoin d'avoir une grande puissance. Avec ça, j'arrive à observer Jupiter. Donc c'est ça déjà des bonnes. Alors c'est x12. Alors je n'ai plus je n'ai plus la je crois que c'est du 6 x 12, je ne sais plus. Donc, une paire de jumelles va vous servir pour anticiper, comme je le disais, mais aussi pour trouver un point. Par exemple, voilà, là-bas, j'observe un coin qui paraît assez bien pour passer la nuit. Donc, vous pouvez choisir une destination à l'avance. Vous pouvez vous dire, bah, tiens, là-bas, je pense qu'on peut s'abriter là-bas. Mais là-bas, j'ai observé, j'ai pu voir qu'il y avait des gens. Bon, on peut anticiper plein de problèmes. Donc, avoir une paire de jumelles, très important. Aussi, il y a de très nombreux randonneurs, des gens qui font de la randonnée un peu sauvage, on va dire, qui utilisent donc des jumelles. Donc, en survie, il va falloir des jumelles. Enfin voilà, enfin, c'est comme en voiture. Quand vous êtes en voiture et que vous arrivez à anticiper le freinage de la voiture de devant, ça évite les accidents. Là, c'est pareil. Vous pouvez faire une malheureuse rencontre sans les jumelles. Avec les jumelles, vous pouvez aussi faire une mauvaise rencontre, mais vous pouvez anticiper. Et ça peut servir à plein de choses, même des choses que je n'ai pas dit. On peut même faire du feu avec. Bon, vous risquez de les casser, mais voilà. Donc, sur la paire de jumelles, enfin, ça tarde dessus longtemps. Il y a plein de choses à faire avec. Mais néanmoins, l'anticipation, c'est ce que vous voulez. C'est votre meilleur ami. L'anticipation en cas de survie, mais dans la vie, l'anticipation. Sert à éviter de se mettre en situation de survie. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Et effectivement, cette vidéo est plutôt courte, mais voilà, je ne vais pas faire une vidéo de 2 heures sur les jumelles. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous
pouvais faire avec lui-même, au-delà de ce que j'ai dit, bien que je suis sûr, il y a des choses qui peuvent être encore dites sur lui-même. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà. Moi, je vous dis à la prochaine, mes amis. Ciao!